Bon, on connaît tous la difficulté d'éliminer l'alu tout en gardant l'or. Donc on a là une petite monnaie or qui doit faire 13 mm, 12-13 mm. Et une boule d'alu de cuisine qui a pris la pluie. Voilà. Donc avec le. J'ai fait l'essai avec le Nocta. Si j'élimine la boule d'alu, j'élimine la monnaie. Voilà. Après, on verra qu'en réactivité, le Nocta est meilleur que l'ancêtre. Mais l'ancêtre, là, en termes de disques, sur à peine au-dessus du pré-réglage. On élimine l'alu. Et à savoir que sur le jumètre du white, l'alu reste dans l'iron et l'or est au-dessus d'iron. Donc on élimine réellement l'alu tout en gardant l'or. Peut-être qu'avec une plus petite masse d'or, on aurait quelques petits problèmes. Mais là, c'est déjà une petite monnaie, hein. Vous voyez? Et on la chope parfaitement. Allez.